Bonjour. Je vais commencer à m'écrire. Un peu froid, je vais ouvrir la porte, la fenêtre. Sachez que toutes les personnes qui sont en vrai profil, si je me balade dans une page, je vois une catégorie de personnes quand j'entre dans leur profil qui m'insultent. Je fais les captures d'écran et j'enregistre vos photos, vous tous. Je vais vous mettre vous tous sur les réseaux. Si vous êtes des femmes qui avez des maris qui n'aiment pas, on va vous chasser. D'accord. On va vous chasser. Toi, la lionne, il faut que tu arrêtes ton jeu. Hein. Je t'ai suivi. Tu me fais rigoler. Toi, la petite fille qu'on appelle la lionne. Je suis sûr que tu ne vas pas sortir dans l'histoire de Facebook comme ça sans te faire. Donc, sans te prendre une bonne bastonnade. On est sur Facebook, non? Tous ceux qui ont fait ça au Cameroun, comme toi, ils ont fini avec la bastonnade. Ou bien tu te crois pour qui, oh? Ou bien comme je dis que tu es belle plus que celle qui est de l'autre côté là. Ou bien qu'est-ce qui t'arrive, oh? Attends. Comme tu fais la vidéo, tu es au marché là. Tu ne connais pas les gens du Cameroun, hein? Tu crois que qui au Cameroun va accepter qu'on va l'expliquer que tu prenais les étoiles? Tu mangeais l'argent là, tu ne les donnais pas. Et on est venu te taper, ils vont se séparer. Il y a d'abord au Cameroun, il y a d'abord une masse. Attends, on va manigancer quelque chose. Ça va tomber. Ce n'est pas la population qui viendra t'arrêter. C'est le nien qui va venir te prendre là. Il y a une lettre de vieille mère, je vais la publier maintenant. Une sale chose, elle ressemble à une lesbienne. Elle est tout en train de venir m'écrire. Dernièrement, elle vient d'abord m'écrire que. Oh, si tu laisses compression, je voulais t'envoyer l'argent pour ton mari. On est imbécile, on t'a dit qu'elle me marie comme au Cameroun, ici, là, que on fait le cahier, la liste pour venir cotiser. Chienne. Une laide chose, une villageoise fille Bassa, avec son gros ventre, les commodons, les noyaux de ton père. Que mon père, c'est un magistrat. Si ton père était magistrat, c'est que tu souffres en Europe comme tu souffres là. Hein? Si ton père est magistrat, et puis quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ton père a le faux profil. Mon père, c'est un magistrat. Oh, si tu ne laisses pas, tu parles encore de compression là, qu'on va t'arrêter quand tu vas partir au Cameroun. Toi, envoie-moi encore le genre de message là. Je te porte plainte ici en Benin. Envoie-moi encore un message déplacé. J'ai regardé ton profil aujourd'hui que tu es en Europe. Envoie-moi encore un message. Je prends les captures d'écran là, je pars avec au commissariat quand on me menace. Quand elle veut rentrer au Cameroun, on va m'arrêter. Vous vous prenez pour qui? Les sales bordels comme vous, les vieilles femmes. Une sale chose comme ça. Elle est derrière là, le corps. Quand tu regardes la chose sur la photo, tu sens la qualité de femme qui a le corps comme si elle avait cuit. Comme si elle a fait partie des brûlés d'ensemble. Une chienne comme ça. Vous vous prenez pour les qui? Qu'est-ce qui vous arrive en fin de compte? Coucou. Je parle. Compresseur, c'est qui dit donc une sale chose, une voleuse avec son gros et sale cul qui coule des tonnes et des litres de sang. Elle partait voler le mari de la fille béninoise, on était avec elle. Voilà ça qu'on a lancé. Le sang coule aux fesses maintenant comme la snake. Une chienne, partout là où elle part, il faut qu'elle fasse l'opération canapé. Une benguiste qui quitte ici là pour aller baiser avec les petits sauvetés au Cameroun. Donc, même les petites filles qui sont au Cameroun, là, même les petits chauds, là, tu ne peux pas laisser ça pour eux. Chaque fois que tu vas au Cameroun, il faut que tu partes te coucher avec l'homme de quelqu'un là-bas, ses pieds. Tu marches avec le cul sur la main. Attends, il va te ridiculiser ici sur Facebook. Tu n'as encore rien vu. Tu es venu me répondre, tu as parlé de mes parents, non? La partie là où je parle bien de tes parents n'est pas encore arrivée. Je suis encore en mode renseignement. Parce que quand elle veut venir parler, il faut que ce soit les choses qui concordent, qui coïncident. Attends, compresseur.
sale chose comme ça. Depuis que tu es en Europe, tu as déjà loué une maison avec ton contrat. Donc, il y a eu ton nom dans un contrat de bail. Depuis que tu es en Europe, éternel assisté. Une éternelle assistée, toujours là où il faut gratter. Ses pieds comme ça. Les petites filles comme la lionne, là, je ne vais plus vous voir crâner dans mes directs. Parce que vous êtes hypocrite. Tu as mis compresseur là-bas dans ton tube. Tu fais quoi là où on l'insulte? Pourquoi vous êtes. En fait, il faut que les gens commencent à voir qui vous êtes. Tu as pris Flore, tu as mis compresseur avec Tata Guylaine Chapuis. Tu as mis dans ton profil. Mais je ne comprends pas, chaque fois que j'insulte Compressor ici, tu commentes en bas que Anne Wama, tu joues à quel jeu? Il faut que Flo voie déjà. Hein. Il faut qu'on vous voie bien. Moi, je ne reste pas là où on insulte mes gens. Hein. Vous me faites pitié. Et vous, la catégorie de sales femmes, les bandes d'abeilles là. Vous faites vraiment pitié. Vous marchez là, on insulte. Votre gringalette là. Gringalette, ma sauce gombo avec plantain tapé. Gringa plantain tapé. Hein? Gringa aile de poulet. Tu ne connais pas que tu aimes beaucoup les ailes de poulet. On t'a baisé à Paris pour les ailes de poulet plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois. Hein? Il y a les gars qui t'ont tapé dans le chioul. Ton gars que tu as à la maison là, il te baise encore dans la chatte. Le sang coule là-bas, Beaumaye, c'est le chioul qui l'utilise. Vous n'avez pas dit que vous aimez quand on vous manque le respect. Tu vas me dire si tu as croisé une fois ma maman dans un live Facebook. Mario Okunu, le gros cul de ta mère avec les asticots, qui vous appelle souvent ici là? Qui vous donne le visa ou le billet d'avion pour venir? Vous venez vous faire voir avec les anus froissés. Les anus et les rectums froissés. Vous les amenez ici pour gesticuler comme des pestes. Hein? Comme si vous, comme les petites filles qui ont besoin qu'on les accouple, les gros culs secs. Une vieille mère comme compresseur. Tu te chamailles quoi avec un enfant sur Facebook? Je vais te ridiculiser ici comme personne ne t'a jamais fait. Il l'écrit pour ma compre aile de poulet. Hein? Ma aile de poulet. Même quand on t'amène au restaurant, hein, on te donne la carte, tu sais que tu commandes quoi. Généralement, elle mangeait du tout. Je vais prendre ce que tu as commandé, non. Tout ça parce qu'elle ne sait pas lire. Il l'écrit, il vont l'eau. Rien dans la tête. C'est des choses comme ça qui viennent parler avec moi. Ton seul héritage est dans le waka, selon que les cartes lettres, c'est ce que tu as hérité dans le waka. Sale chienne. Tu es qui? Tu es quoi? On est zézing. Tu peux parler à qui? Serpent à deux têtes, vipère. Petite vipère que tu sois. Tout dans la mendicité. Dès qu'elle laisse Gago à l'école, elle n'est pas montée dans le camion rouge. Tu allais voler le mari de la fille béninoise là-bas. On t'a lancé le sang aux fesses. Quand le sang commence à couler de terre, quand le sang commence à couler dans tes veines ici, là, c'est la magie. Le sang qui coule dans tes veines, dans tes fesses, là, tu saignes pendant un an. Tout ça parce que tu as l'habitude que quand tu pars au Cameroun, les petits hommes complexés, là, qui ont l'un gars, hein, les petits hommes complexés qui ont l'un gars au Cameroun, là, dès qu'ils vont entendre que c'est une bengue, ils pensent même que c'est quelque chose. Le gars va commencer à tourner Sangala. C'est alors en ce moment exactement que tu profites des âmes sensibles. Tu peux donner le cul. Hein? Tu as contaminé combien de personnes au Cameroun? Chienne. Tu veux qu'on ouvre ton dossier? Tu veux qu'on ouvre ton dossier? Compris, aile de poulet. Une ratée. 25 ans en Europe. C'est toujours les papins avec la moisissure. Que tu montres aux gens que voilà mes papins, en 25 ans en Beng. En 25 ans, si tu n'as rien fait, tu dois y aller, tu as au moins construit deux villas comme les femmes de la Suisse. Avant même de l'insulter, Waka, toi-même, tu vas aller regarder ce qu'elle a fait, tu vas encore fermer ta bouche que non, je ne dis pas moi la chose là.
C'est quand même un bon waka. Mais pour toi, tu choques encore. Hein? Les petits coups de Champions League, les passerelles, 40 euros, la pipe et la moue dans le camion. Dès que tu finis, tu prends la lingette, tu essuies les vieilles fesses. Le chioulé est élargi comme la porte de l'église. On tape là-bas parce que le cul, il y a beaucoup le sang là-bas. Tu n'as pas dit que tu es vulgaire, tu as insulté mes parents, qu'on va les violer. C'est toi qu'on a violé jusqu'à le cul coule déjà. Sale petite chienne. Une dévergondée, une illettrée, une analphabète. Elle est là comme le cincre qu'on a accouché la bille. C'est elle qui se lève tout le temps pour venir parler aux gens. Compresseur, tu es quoi? Quand on parle des filles camerounaises, compresseur, on arrive chez toi, on saute, on passe sur la prochaine, on commence. Un, deux, à chez toi, on saute, on prend directement à Croix. On ne te compte pas. Tu n'es rien, compresseur. Complepointain tapé. Complepointain tapé. Les parfums des voisins que vous passez le temps à filmer. Celui de Ducamer, il peut. Allez tout filmer les parfums et les maisons des voisins. On va latter quelqu'un quelque part. Hein? Que koum, zou se zan, awaz me filmer, mande, mani bemouama. Qui es-tu, compresseur? Tu es quoi? Tu penses que tu es sur ta catégorie des gens là que tu vas intimider? À l'époque, les gens te payaient parce qu'on ne voyait même personne sur la toile qui pouvait venir faire le bras de fer avec Flo. Une petite affamée comme toi qui a commencé, une petite affamée comme toi, compresseur, tu as commencé les clashs pour les 150 euros. Quand Michel et Somba te payaient 150 euros, tu prenais ta sale tête, hein? Avec les vergetures partout, mon wobanyu partout. Tu viens, tu t'assois avec la cigarette, tu démarres la voiture. Sors! Sors ici, Mbouripou! Mbouripou, sors ici! Je veux te tuer jusqu'à tu donner les rendez-vous, racaille. Combien de fois aujourd'hui tu ne veux plus bagarrer avec Flore? Combien de fois tu as cherché à bagarrer avec Flore ici sur Internet? Aujourd'hui, c'est ta copine, c'est ta yam sœur. Yam des poissons brisés. Yam de la monétisation. Profiteuse, yam opportuniste. Yam, tu es obligé d'être yam parce que tu n'as plus personne. Les vieilles mamans de la team de la TKC qui te donnaient les petits bordereaux pour que tu clashes floor. Elles t'ont vomi comme ça que. Tu es qui? Tu es quoi? Même moi, j'ai la cote sur Internet, même plus que toi. Tu n'es personne. Tu n'as aucun titre. Tu n'es aucun 10. Tu n'es rien. Rien. Même Nicole Isaacam, Nicole Isaacam là va venir te dépasser bientôt. Tu seras toujours derrière. La seule chose qui est venue m'écrire, je sais que c'est toi, ce sont tes gens. C'est une fille Bassa. Oh, je voulais t'envoyer l'argent pour ton mariage. Mais comme tu as parlé la chose, on te dit que je me marie avec un clochard ou bien qu'on est au Cameroun ici là que il faut cotiser pour la tante. Oh, il faut cotiser que les femmes qui vont préparer vont avoir la vie avec. Mais grandissez un peu. Qui demande la cotisation ici pour le mariage en Europe? Donc, vous faites ça. S'il faut cotiser pour me marier, laisse. Je me marie pas avec la personne là. Seulement, vous voulez connaître les choses des gens. Vous lisez les lettres dans les enveloppes. Compressons, on va dire tout ce qu'on va dire là. Toi et moi, on nous place. Moi, je suis arrivé en 2016. Tu es arrivé en France en 89. Fait que les petites filles qui ont beau ça, il n'y a même pas 4 ans, tu leur taxes les 50 euros, tu leur demandes les argents, jusqu'à on t'envoie l'argent, tu es content. La mère des orphelins, ramasseuse de restes, reste contre aile de poulet, contre sauce gombo avec le crabe, contre canapé de chez son frère au Cameroun, contre rienneuse, contre élan et lent, contre même pas hap, contre voleuse du mari de Tatiana. Crier sur elle. Venez, oh, sortez. Voilà une âme roba. Les anglophones ont dit braqueuse, âme roba, voleuse que tu sois. Tu n'as encore rien vu. Je dis que tu n'as encore rien vu. Embauche les gens, je vais m'acharner sur toi. Tu disais que tu es la présidente pour clasher à l'époque quand tu venais faire tes choses là avec Flo, non? Sache que. Quand tu vas quitter à côté de Flore, ta mania sera finie. Parce que je vais te jouer comme le Bali-Bali ici sur Facebook. Jusqu'à on va te vomir. Pour que tu vas encore parvenir
à mitoyer. Tu vas encore mitonner. Ça va être très dur parce que je t'aurais déjà baissé. Compression que vous voyez là, si quelqu'un a cru qu'elle est quelque chose. C'était une ancienne bordel à Paris. Elle se prostituait à Lieux Saint-Moisy. Elle montait dans les camions là-bas. 40 euros la pipe et l'amour. Si je m'en viens confirmer. Elle avait trois noms dans la réunion. Elle est obligée de livrer le cul et le rectum. Quand elle rentre à la maison comme ça, les fesses disent que t'es. On a work aujourd'hui. Te prends pour qui? Attends, je t'ouvre la porte. Tiens. Tu es quelque chose. On ne dit un toukabet, un tungwe, un toukabet, un tungwe. Compresso, je vais crier sur toi jusqu'à. Je sais que tu as une petite cervelle congelée. Ok. Je sais que ton cerveau est glacé. Il y a les pipis à l'intérieur. Chienne. Tu peux parler à ma maman. Comme ça, compresseur. Tu es né en 75, non? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux pour vendre tes vieilles fesses? Tous les fans hommes qui t'ont approché pour te dire que compresseur, tous t'ont mis le dos au sol. Et tu vas te fâcher quand on t'appelle compre-plantain tapé. Compre-aile de poulet. Compre-bifi fabrique coupe. Tous les hommes du 18e qui ont été tenanciers de restaurants, tu baises jusqu'à tu baises avec les videurs compresseurs. Ton cas est laid. Tu fais pitié. Alors, à l'école, c'est un peu bien. Hein? On n'a pas fréquenté pendant longtemps, mais on connaît quand même un peu écrit nos noms. On est arrivé en Beng. On a fait les cours les cours d'intégration. On a un peu appris à parler. Compresseur, quel est ton parcours? À plus de 25 ans en Europe, tu n'as jamais, tu ne peux pas nous montrer un diplôme où tu t'es formé. Il a dit au châssis qu'il ne griffe plus comme ça. Hein. Ok. Tu peux me gâter là, le turc, c'est là. Ah. Il pense même qu'il doit, il y a une jolie table là qu'il va acheter. Il pense qu'il va gâter encore tout ça. Non, mais vous êtes pathétique. Une femme à 25 ans. Elle est là dans la voiture. Montre l'immatriculation de ta voiture. Moi, je t'envoie la police que tu conduis sans permis. Il l'écrit. Gagounette. Dès qu'elle laisse Gagou à l'école, hein, elle vit dans le camion. Hein? À mon fauve, Elisabeth, tu cherches quoi dans les champs de maïs en France? Si le serpent te pique là-bas, tu vas dire que tu cherches quoi? Toujours dans les champs de maïs. Hein? Dans les sorties d'autoroute. Chez Compressor à Rouen. Si vous cherchez Compressor à Rouen, allez dans les champs de maïs, les sorties d'autoroute, vous allez voir un petit camion rouge. Elle est là-bas dans le camion là. Je ne comprends pas ce qu'elle fait là-bas. Je comprends, elle vend les fesses. Et c'est les gens comme ça qui viennent insulter les parents des gens sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est déplorable. Compresseur, toi-même, ta mère a 75 ans, elle va encore, elle fait encore la pipe, elle a encore les amants, non? Ta mère a 75 ans, elle a encore les amants. Est-ce que c'est alors normal pour une grand-mère de son âge? Mais c'est toi qui se places ici pour insulter les parents des autres. Tu ne trouves pas que tu as un problème? Tu ne trouves pas que c'est toi qui as un problème? Moi, celle-ci, je ferai toujours les directs ici, là, dans ma cuisine, parce que vous n'êtes pas mes amis. Vous n'avez pas le droit de connaître les parties de ma maison. C'est bien défini. Je vis dans un 120 mètres carrés. Je vous dis ça tous les jours. Je ne vis pas dans petite chambrette. Même la cuisine, si vous la voyez seulement comme ça, je suis sûr que si vous tournez, c'est 20 mètres carrés. Ça, c'est la chambre de quelqu'un dans vos maisons, dans vos petites pièces détachées de maison, là, vos maisonnées. Fais seulement les directs dans la cuisine. Quelle star Facebook à part Compresso montre son salon, son lit, sa chambre. Vous ne savez pas que mon intérieur fait partie de ma vie privée. À part la cuisine, comme ça, vous allez voir quoi. Tu ne viens pas habiter avec moi ici une fois comme ça. Tu vis dans la maison là, un tout dôme. Vous allez voir, c'est les sales petites bordels. On vous dit que je vis dans la pitié.
Je ne vis pas avec quelqu'un qui n'a pas les dons. Jamais, moi, je ne cherche pas le kaolo. Que va aller rester avec quelqu'un qui jongle en what? Pourquoi? Je ne fais pas ça. Ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Mieux, je laisse. C'est vous qui partez souvent prendre les zones d'Urungeme. Juste quand vous voyez aussi que vous êtes avec le what? Imbécile. Il coche la copine de sa mère. Flo n'est pas ma mère. Ma mère ne s'appelle pas Flo. Flo n'est pas ma maman. Arrêtez vos magouilles là. Elle n'est pas ma mère. C'est une amie. Elle ne peut pas m'accoucher. Il coche l'ami de sa maman. Comme vous les bamilekés, les bassa, vous êtes que quand les choses vont dans votre sens là, toutes les vieilles rombières bassa qui étaient fatiguées, que Flo cochait déjà trop compresseur. Elle veut qu'on la paie. Vous aimez trop Flo là? Qui l'appelait Ngoué avant? Ce n'est pas vous. Vous l'aimez? Bordel. Et maintenant, les vieilles abeilles, les présidentes du racisme, du tribalisme, elles sont là, elles opèrent dans le noir. C'est quand elle va se faire empoisonner par la vipère. Compresseur, c'est une illettrée. On peut lui donner quelque chose d'aller mettre à flot. Elle ne va même pas lire. Elle ne sait pas ce qui est écrit là, que ça peut tuer quelqu'un. Faut faire attention à ce genre de fréquentation. Il est créé. Il est créé jusqu'à ça se verse. Les gens comme ça, il faut les voir quand ils parlent aux gens. Tu n'as rien dans la tête, compresseur. Tu as une cervelle passoire, cervelle vide, t'es des rap dedans. Là-bas. Tu as le pied plat. Quand les gens parlent, tu dois fermer tes fesses. Parce qu'on peut décider qu'on ne parle plus, on écrit seulement. Il va falloir que tu lises. Tu connais alors lire. Tu connais lire. B. A. Ba. Maman, tu es biné. Ta, ça t'a dépassé. 45 ans à la cile. Aucun résultat. Te guérap. Pour voir la bêtise quand elle est placée ici sur internet, tu penses que c'est quelqu'un. Dis ta compresseur de lire. Elle apprend à lire et écrire. Elle ne connaît pas lire et écrire. Ngosama Leba Perpetu ne connaît pas lire et écrire. Voilà. Elle ne connaît pas lire. Adama Dunguru, compre elle de poulet. Moi, n'écoute pas tes directs. Hein. Je t'écoute pas. J'ai écouté un seul direct là où tu as insulté ma mère. Je me focalise sur ça. C'est celui-là que j'ai enregistré. C'est sur celui-là que, quand je veux être tenace pour t'insulter, c'est le direct là que j'écoute. Le reste que tu fais là-bas, tu insultes tes malheureuses petites fesses. Tu insultes ton malheureux petit cul que tu passes le temps à vendre dans les camions, dans les sorties d'autoroute. Ce sont tes fesses que tu insultes en fait. Chienne. Zinebour compresseur. Compresseur, compresseur, j'étais une belle femme, et c'est une belle femme. Tu connais accouché une bordel qu'elle a avorté, elle avait 13 ans. Vous prenez pour qui? Ton premier avortement, tu avais 13 ans. Je vais mettre la photo de la fille qui est venue m'écrire inbox là et toutes les conversations qu'elle m'a envoyées. Dès qu'elle raccroche mon live, je publie les conversations et ces photos. J'ai déjà fini d'enregistrer. Si elle veut, elle va m'écouter, après elle va bloquer. Mais j'ai déjà fini de tout l'enregistrer. Et je vais te porter plainte parce que tu habites à Paris. Et quand je vais te publier dans mon mur, forcément, il y aura quelqu'un qui connaît. Je vais te porter plainte que tu m'as promis la mort au Cameroun. C'est écrit dans tes messages. Comme vous êtes souvent bêtes, vous venez avec vos vrais profils. Que oh, je voulais t'envoyer l'argent. Je voulais t'envoyer l'argent pour ton mariage, imbécile. Tu es qui et te connais? Tu es qui et te connais? Donc, vous allez croire ce que les sales petites vieilles mères abeilles avec le gros cul qui passent le temps à raconter des bêtises, des inepties. Les gens qui m'ont envoyé les mandats, je n'ai jamais pris, hein, je vous jure au nom de Dieu. À part pour Colette, que j'avais pris. Fiche le camp, je suis sage plus que compresseur. Je peux faire une dictée, une rédaction. Compresseur ne connaît rien écrit, d'accord? Il écrit.
Certaines filles Bassa sont très mauvaises, compressant à montrer sa méchanceté. Dis donc, ça m'étonne aujourd'hui quand je vois la fille, elle dit, ouais, ma copine, une femme que la période de la circompression voyait le poison, elle donnait à Flore, Flore mourait. On va refaire le replay de tes vidéos. On va voir avec la ténacité, la vivacité à laquelle tu t'acharnais sur ta soi-disant copine. Vous me faites pitié, surtout toi. Ma copine, yam, yam. Je préfère l'amitié de Lolo et Flore. Lolo aboie, elle ne mord pas. Compresseur, tu es foncièrement méchante. Tu es mauvaise. Ce n'est même pas la méchanceté. Parce que toi, dès qu'on te donne un petit 100 euros, sans toutefois poser les questions que ça a commencé comment? Sans toutefois poser la question que ça a commencé comment? Tu vas commencer à faire des choses. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas allumer. Et tu penses que tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme toi, hein, compresseur. Tout le monde n'est pas comme toi. Personne qui va. Même, il y a une fille qui est venue m'écrire aujourd'hui qu'elle avait utilisé la gamme de Karimou. Ça lui a brûlé le visage. Je vais vous faire la capture d'écran du message. Je lui ai dit que ma soeur, viens avec les photos et les vidéos là où ton visage était d'abord bien. Puis maintenant, tu viens avec les vidéos là où Karimou, que tu as commencé à utiliser, parce que vous êtes comme ça. Mon mur n'est pas. Ne me voyez pas comme je suis sur Facebook là, que vous allez bénir dans mon eBay. Oh, il y a ceci. Je ne fais pas ça. Je mène les guerres qui sont mes guerres. Je n'achète pas. Je ne suis pas ici sur Facebook pour acheter les problèmes des gens. Ce sont mes problèmes. Les problèmes qu'on crée avec mon entourage. Tu viens, tu me donnes l'argent qui achète le problème. Je vais manger ton argent et je ne vais acheter aucun problème. Je ne parle pas les histoires de bordel. Tu viens me mentir. Déjà, tu as un faux profil. Quand tu as acheté les savons, ça t'a brûlé. Ça fait déjà de toi une personne fausse. J'ai un vrai profil pour revendiquer ça. Sandrine, fiche le camp. Avec ton visage rempli avec la photo des filtres. Kigali, fiche-moi le camp, tu conseilles qui? Imbécile, tu penses qu'un sale faux profil comme toi, vous pensez qu'un sale profil peut venir me conseiller? Vous êtes qui? Tu me conseilles, ne sais pas qui tu es, tu penses qu'il veut prendre en considération les conseils des bêtises comme vous? Niva ne prend plus les balles pour Flore, chienne. Ouvrez encore vos culs là, je vais te bloquer. Niva, vous me prenez pour qui? Je suis une personne qui est très fière. Hein. On ne me manipule pas avec 100 euros, 200 euros, 500. Hein. Je ne jongle pas. Hein. Vous parlez ça dans la vie. C'est une personne qui a faim. Quand on parle de 50 euros, elle voit, elle projette une mamie de gombo. Je suis là, non, Bridel. Je suis là. C'est toi qui se perds. Allez, voilà ma copine Bridel ici. Là, elle venait au Maroc comme ça. Maman, on l'enviait jusqu'à quelle lambe. Voilà un ben là que nous tous on veut devenir les fous ici là comme ça. Je te dis. On en vient jusqu'à que. Et moi aussi quand il va arriver en ben. Placée. Mais c'est elle qui donne les conseils à longueur de journée sur Internet aux enfants des gens. Si vous étiez des femmes qui avaient tellement bien réussi et que vous êtes des grandes conseillères, vos enfants cherchent quoi dans les services sociaux? Les bordels, les maires de la France, là, tous les enfants qu'ils ont amenés au Cameroun sont au social. Il manque seulement pour Coco Kouéthou. On va veiller pour que la police. Coco Kouéthou, le jour, je te vois encore dans un direct en train de parler les choses du Ouaka. J'enregistre que j'appelle la police. On ne vous a pas envoyé accoucher les enfants avec ta copine Nadège Bapa qui a le visage comme le cheval, là, la bouche comme le cul d'une doro. Elle est là, 7 kilos de lèvres. La femme là, mais neuf! Elle est là avec sa voix comme un travesti. Les anciennes fesses, comme les anciennes sacs de riz qu'on appelait l'une d'Afrique là. Elle a alors posé la piquerie. Moi, je te dis, Tatana, le jour qu'elle va venir me toucher, moi, elle vient seulement et t'arrête. Tu peux toucher Flore. Tu peux toucher Flore. Tu vas déménager. Tu vas déménager, faire l'erreur là de ta vie.
avec le vieux cul, quelqu'un qu'Antoine Bachot a barré, maman. Regardez Antoine Bachot qui barre quelqu'un. Une personne comme ça doit encore parler. Antoine Bachot, qu'on nous envoyait ici là, que c'était ton seul espoir. Hein? Espoir de Ndeng. Ton espoir de Ndeng, la seule personne qui pouvait te soutenir pour que tu ne meurs pas jachéreuse, à part la baisse que tu as dans, avec tes clés. À part la Touma que tes clés te donnent. Hein? C'est lui au moins qui te faisait la Touma, qu'il te touma aussi, te touche naturellement. Parce que toi, tu joues qu'avec les clés. Ce sont les clés qui te font sortir le djembé, le vieux djembé qui sort derrière comme le blanc. Toi, Nadège, ne bats pas avec le vieux djembé dans les vieilles fesses. Ça coule derrière là comme la moutarde. Les vieilles mamans, elles sont toi en train de ternir la réputation. Quand on va parler, elle a une vieille chose comme ça. Jusqu'à elle, elle explique même au téléphone que oui, je suis arrivé ici. Là, le gars s'est dit que je sors de la maison. Il est parti avec la clé. Yeah! Vous ne vous cachez plus. Les vieilles fesses que les vieux pères, les vieux papas là, le goudali ne se lève plus. Maman, arrêtez de tremper. On appelle ça que arrêtez de tremper. Tu attrapes toi-même, tu trempes dans les vieilles fesses. Kimbo, hein? Coco Kueto avait les lèvres comme le maquereau de délire. Une fille bête. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête. Celle qu'on appelle Coco Kueto pour la visibilité. Bête. Tu vas confirmer le code. Tu auras les assistants sociaux sur le dos. Je te dis. Sur le dos. Ils seront à ta. Tu seras à leur merci. En France, quand on a déjà signalé que les enfants sont un jarre. Hey! Tu vas lire. Je vais chercher tous tes directs. Quand moi, elle va appeler, je vais dire que pardon, je vous exhorte, allez écouter. YouTube. Je connais parler le français. Quand je parle avec un Moukala, il veut m'écouter jusqu'à la fin. Une bête fille comme Coco Kueto, bête comme ses deux pieds gauches, toujours en train de crâner avec les détracteurs. Et tout ce que tu fais là, quand on est heureuse, on n'expose pas son bonheur comme ça. Tout ce que tu fais là, tu pleures parce qu'on ne t'a jamais assumé. Koho, elle a un nouvel ngo au Canada. La nga que Coco Kueto a au Canada, la Coco Kueto et Tana baisent ensemble. Je te dis ça, toi, la fille là. Elles sont en train de te rouler dans la farine. Elles baisent ensemble. Coco Kueto et Nadège Bapa couchent ensemble. Les deux femmes là couchent ensemble. Ce n'est pas histoire de grande sœur, petite sœur. Elles combo les enfants là, les mères là se lèchent le cul. Arrêtez de tremper. Les sales chiennes. Compresseur, tu n'étais pas avec eux avant. Tu n'étais pas avec eux avant. Coco que tu croyais que je suis avec une bêtise comme elle. Je marche dans l'obscurité. J'aime quand je marche mon chemin éclairé. Je ne suis pas les bêtises comme vous. Vous pensez qu'elle peut vous faire confiance un jour? Vous avez été avec Flore. Tout ce que Flore a nié, tu as dit que vous avez fait ça, non? Disons que oui. Hein? Est-ce que tu penses que c'est elle et toi que vous avez partagé l'intimité? Tu lui as vendu. Moi, je peux te dire bonjour en intimité un jour. Vous perdez votre temps et ne venez pas dans mon Uber. Je suis un électron libre. À part Tata Lolo, je ne cause avec aucun autre internaute. Voilà. Je dis bien aucun autre internaute, je ne cause avec eux. Vous êtes malade. Vous me prenez pour qui? On vous a dit que je suis une marionnette. Quelqu'un m'envoie l'argent là, je vais manger ça jusqu'à. Et je vais filmer ces messages. Je vous avertis déjà d'abord. Et c'est comme ça que vous faites souvent vos choses. Là, vous venez que, ni, je ne suis pas avec vous. Je ne suis avec personne. Je vous dis ça. Donc, ne perdez pas vos temps. Ne me lancez pas, ne me publiez pas. Je ne vous gère pas. Vous n'êtes pas différente. Vous n'êtes pas différente d'un gringa. D'accord. Je ne cause avec personne là. Si c'est ça que vous restez, vous croyez. Hein? Je ne cause avec aucun internaute. Vous m'écoutez avec quoi? À part Flo, vous m'écoutez. À part Lolo. Et pour vous montrer que je n'ai pas peur et j'assume avec qui je parle. J'ai laissé exprès que Lolo appelle dans mon direct. Hein. Lolo peut faire ses amitiés avec ses copines machiavéliques là comme elle veut. Je n'entre pas dans ça. Voilà. Je n'entre pas dans les trucs là. Vous me voyez assis. Là où la
chèvre est assise. Vous me voyez assis là au coco, que tout est assise. Mais le monde est fini. C'est que le monde est fini. Maman, les sorciers ont volé mon banga. Hé, hey, j'ai attaché ça ici, j'ai posé, non. Ha! Ah, j'aime beaucoup l'eau minérale, la spacy. Compresseur, il faut souvent boire ça. Ça coûte alors cher. Hein? Une chienne comme Coco Kouetou, la plus bête fille des Bamoun, c'est Coco Kouetou, la Dungourou des Bamoun. Elle a alors son cerveau. Pour compresseur, au moins, on a percé les petits clous. Il y a les gros clous dans le cerveau de Coco Kouetou. Tout ça, parce qu'on refuse de t'assumer. C'est obligé. C'est obligé qu'on t'assume dans les fesses. Tu connais le nombre de filles qui font l'amour ici dehors, les gars refusent de les assumer. Hein? Est-ce même dans le monde des hétéros, tu connais le nombre de filles qui combo avec les Joe ici, là, que le Joe, là, la voit en route, il passe. Le soir, il peut être la porte. C'est toi qui avais accepté au début que tu vas rester dans le noir. Assume qu'on te... D'abord, même, il n'y a plus rien. Parce que le tout sien, même si elle est vain encore, de que connais, je sors sur Facebook, j'amène ça sur Facebook, tu vas partir. Donc, comme tu as exposé Flore là, non, c'est fini, bye bye. Si c'était la qualité que tu faisais, même que derrière, vous vous voyez encore derrière là, ça ne pourra plus marcher. Tu as déchiré ton acte de mariage. C'est fini. Tu pleures quoi? Tu viens te placer, tu allumes le direct avec la vieille lotte, celle qu'on appelle Nadège Bapa, avec 72 miomes dans le ventre. Elle est là avec le gros ventre. Les gens même qui payent la qualité de peste, là, c'est seulement que le blanc ne sait pas. Le blanc, quand lui veut faire, il prend tout. Hein? La bouche est comme le cheval. Les costauds de lèvres. Les lèvres sont affermies jusqu'à ça. C'est derrière devant comme ça. Elle est là jusqu'à elle pose le rouge à lèvres sur ça. Quand on a une forte paire de lèvres comme pour toi comme ça, on sélectionne les rouges à lèvres qui vont avec. Ne mets plus le rouge à lèvres rouge. Elle est là avec les grosses lèvres. Celle de Coco Kouetou, elle est placée comme ça. Comme une sorcière qu'on a attrapée. Elle a oublié l'heure pour entrer à la sorcellerie. On a mis la lumière. Une femme avec qui tu as été, tu es resté. C'est de sa ton intimité que tu parles comme ça jusqu'à tu montes les coups. T'en as baise avec, t'en as touma avec Coco Kouetou. Ils font de la touma. C'est des touma ensemble. Comme Coco Kouetou, on l'a menacé dernièrement. Elle ne peut plus vendre le piment à la maison. Tana est seule. La visite qu'elle a faite chez Tana, là, elle s'est changée les clés là-bas comme les petits fins, bande de bordel. Allez faire les formations. Vous êtes déjà vieilles. Nous, on a encore le temps. On peut encore jouer la Champions League. Même Coco Kouetou, tu es dans la quarantaine. Tu n'es plus une petite fille. D'accord? Tu n'es plus une petite fille, Coco Kouetou. Tu es venu exposer Tata Mimi, la comédienne ici. Toujours dans les histoires des fesses. Une sorcière partout là où elle passe, il faut qu'elle enregistre quelqu'un. La chose qu'elle a au Canada là, dès que je sais qui tu es, parce que je sais que l'anga de Coco Kouetou, qu'elle a là, après mes informations, c'est au Canada que l'angala vit. L'angala, je t'explique. Tana, que tu appelles Mombo là, Tana là, c'est l'anga de, c'est, je ne sais pas où c'est elle qui est l'anga, parce que Tana sup. La langue de Coco Kouetou jusqu'à. Il faut voir quand Coco Kouetou veut un peu la clasher. Ouais, Coco. C'est toi-même qui es attaché à cette langue. Et maintenant, l'autre Dungourou qui est au Canada, elle envoie les choses, les iPhones, ceci, les ceci. On croit que. On t'exploite. Coco ne va jamais venir vivre là-bas. Une forte paire de lèvres. Tana, elle est là comme ça, comme le varan. Ah. Il faut boire de l'eau. C'est mon manga là, il me manque beaucoup. Voilà. Je vais sortir. Je vais vous laisser. Bonjour, Carole. La matinée sur. Salut Alexis, bonne guérison. Pas, ne regarde pas mes choses dans la vie. Claude Akam,
Une personne sûre de tout le temps. Bon, je vous laisse. Allez dire aux vieilles mères là, qui sont en train de vouloir m'arracher mon époque à moi, que je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas accepter que les mères qui ont déjà vécu pour eux l'époque viennent encore saturer ma part à l'époque. On va se salir ici sur Facebook. Comme vous pensez que j'ai votre âge, vous m'appelez que mon frère. Eh, ma personne, mon frère. J'ai votre âge, mais pour le calouer. Nathalie Baba l'a dit que je suis qui? Jamais de la vie. Nathalie, je dis bien jamais, toi qu'on appelle la chèvre, avec ta tête comme les parpaings de 10 là. Jamais. Je ne suis pas avec toi. Je ne serai jamais avec vous. Vous êtes des personnes, vous ne m'inspirez pas confiance. Vous ne m'inspirez pas confiance. D'accord? Tu as pris Flo ici, c'était ta Kim Kardashian. Aujourd'hui, le discours que tu tiens de Flo, je n'ai pas envie de vivre la même chose. Merci pour ta sympathie. Je ne serai jamais avec vous. Je vais vous combattre jusqu'aux dernières énergies. Si quelqu'un croit là entre vous que, comme je suis en train de laver celle de Ngo sa pute là, hein, comme je suis en train de laver Ngo sa aide de poulet là, hein, c'est qu'elle-même, je veux l'écarter loin de Flo. Flo n'a pas besoin de ces gens-là. Elle existe depuis. C'est elle qui est là. Voilà. Vous ne pouvez pas venir prendre mon époque. Compresseur, tu es venu en Europe en 1989. Tu n'as pas vécu ton époque. Pourquoi notre époque si t'intéresse tant? Dis à Pam dans là de te suivre aussi. Les comédiens sont devenus les blogueurs. Dès qu'on va parler, on va dire, oh, vous donnez toujours rendez-vous aux gens. Vous allumez vos téléphones pour venir clasher. Quand vous allez mourir, vous allez partir au paradis, fermez la porte, jetez la clé. On va se débrouiller en enfer. Pourquoi vous êtes tous en train de vous soucier pour nous? Vous ne pouvez pas discuter au paradis pour vous seulement. Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me réserver la place au paradis. Allez-vous tous au paradis. Allez-vous tous. Allez-vous tous. Allez au paradis, vous tous. Quand je vais arriver en enfer, je vais m'adapter là-bas. Si j'ai fait la Libye, voilà la différence entre la Libye et l'enfer. Vous croyez que l'enfer va me surprendre? C'est vous que ça va surprendre. Vraiment, c'est vous que ça va surprendre. Compresseur va apprendre à lire. Dieu va nous donner quand on va arriver au Nouveau Testament au Satan. On dit qu'il y a une brochure, une brochure là-bas qu'on doit lire avant qu'on nous juge. Ne fais pas que Dieu te dise, te renvoie sur terre, tu es heureux comme un mauvais esprit, parce que tu ne connaîtras pas lire. Va apprendre B.A.B.A. tant qu'il est encore temps. C'est encore possible. Même Pasteur Chris le dit dans ses chansons. C'est possible. Qui connaît la chanson là? Envoyez ça à la bordelle là sur YouTube. Voyez ça, elle va écouter ça là-bas. Elle va comprendre que rien n'est impossible. Voilà la Belgique qui est en train d'affronter la Croatie. Je supporte les Belges. C'est mon pays. Je ne connais pas chanter l'hymne national du pays là. Mais je connais pour le Cameroun. Coco, Compressor, je suis sûr que. Compresson ne connaît même pas chanter. Compresson ne connaît pas chanter l'hymne national du Cameroun. Compresson, prends un direct. Compresson, prends un direct. C'est fait depuis celle qu'on appelle au bon ce machin-ci. C'est que je fais les langues. Hein. Je ne peux pas travailler, c'est que c'est les langues. Les deux qui chopent encore là. Ce n'est pas que j'ai l'âge là. Elles ne peuvent plus se permettre de se dire qu'elles se donnent 2 ans. D'accord. J'ai l'âge qui dit qu'elle ne travaille pas. Moi, je ne suis pas là, je n'attends pas les retraites. Je ne suis pas un blanc, je ne vois pas pourquoi elle veut venir attendre la retraite européenne. Elle travaille. Quand ça sera nécessaire pour moi de travailler, je travaillerai. OK? Attends, je te bloque d'abord ici. Je te bannis. Tu m'as déjà vu ici. Tu m'as déjà vu ici un jour venir dire que, ouais, cotiser pour Nivakine. Nivakine va acheter la chaussure. Nivakine va aller voir les orphelins. Maman Pépé, tu as déjà vu ça un jour. Sors la vidéo là. La chèvre qui est venue m'écrire que la sale chose qui est venue m'écrire ça. Ou c'est quoi, 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 Ngo. Je vais vous dire, vous pouvez mettre son nom.
Quand tu demandes l'argent, je te dis, viens montrer les conversations, moi je demande. Si vous me prenez pour qui, je connais tirer ma valise moi-même. Hein. Ce n'est pas les bordels que vous êtes. Le bordel est monsieur Karim Ndzama. Là où je suis là, je ne peux pas faire que j'ai un problème. Je dis au père si là que le père, c'est chaud. Tu ne me donnes pas. J'ai un problème, comme tu me vois là, là où je suis là, j'ai un problème au Cameroun. On veut trois colos. Voilà, il va me donner. Toi, tu n'as pas quelqu'un comme ça. Écoutez, hein. Tata Lolo que vous voyez là, c'est moi seulement qui ai la carte. C'est que j'avais choisi, mon cœur avait choisi Flore. Mon feeling avait plus. J'avais même pour la petite folie de Flore. C'est elle qui me correspondait quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux. C'est là-bas que je suis parti. Mais sinon, je connais Tata Lolo avant. Hein. Je connais Tata Lolo avant. C'est que moi, je croyais que Tata Lolo ne va pas entrer dans les clashs. Amis, des vrais clashs, c'était que il ne fallait pas qu'on te dise dès qu'il y a guerre sur Facebook, tu ne discutes pas, tu prends directement ta position. Tu sais que c'est l'entame, tu entres une fois dans l'entame là. C'est comme ça alors qu'on avait fait avec Tata Lolo. C'est comme ça qu'on avait fait à Tata Lolo. Mini Mino tape là-bas, je tape ici, elle envoie le coup franc, j'envoie ici. C'est nous qui avons fait que Tata Lolo ne criait pas au début, hein. L'on ne criait pas au début. C'est quand on avait une émission là que les gens appelaient seulement pour insulter. C'était quand on dit qu'aujourd'hui spécial Pipito. Les gens vont appeler, les gens vont appeler, les gens vont appeler, les gens appellent du Gabon, les gens appellent de partout. Tata Lolo sait qu'elle va faire comment. Elle prend le direct, elle crie, elle crie, plus elle crie, nous aussi on envoie là, on appuie sur l'accélérateur. Après, Tata Lolo a commencé à laisser un peu, elle a fait son accueil ouvert. Hein. Moi, Tata Lolo ne m'a pas insulté, ma mère. Oh. On avait envoyé à Tata Lolo les photos de ma mère. Je connais la personne qui. Aujourd'hui, la personne là, je suis sûr que quand elle me voit parler avec Lolo comme ça. La personne là, son cœur va jusqu'à. Il ne veut pas te clasher, tu ne m'avais rien fait. C'est le sang de la cousine de ma mère qui avait fait ça. C'est la cousine de ma. Thierry, que Thierry lui paye d'abord le terrain. Ou bien que le Thierry en question, le terrain que sa mère avait coupé un peu au là-bas. Il partait les vieux papins qui sont en train de moisir là. Hein? Il reste seulement que Thierry achète les sacs de ciment. Le sac de ciment ne coûte pas 3 000 euros, non. Venez mettre le nom de l'enfant de Thierry, c'est son mari. Elle coûte 3 000 euros. Une femme abîmée comme ça, quoi que quel homme peut lui donner 3 000 euros. Rédit Médès, je te bannis. Voilà. Tu vas aller dire à Compressor que son gars peut lui donner 3 000 euros. Si le gars là pouvait lui donner même seulement 500 euros, c'est qu'un mendi comme un mendi là. La mère là a constamment faim. Compressor a faim jusqu'à ça se verse. Elle a faim comme c'est bon les vitamines. À l'époque du un buisson, il n'y a plus le clash. Il y a les faux profils que ça avait un charme jusqu'à. Je vais vous expliquer une petite histoire dans la team Pédigiste, des vraies abeilles. On s'est senti tellement proche une fois que certains faux profils ont commencé à dévoiler leurs identités. Comme dans les groupes, il y a toujours une vipère. On ne savait pas que la vipère en ce moment-là, c'était Marie-Louise Mbarga. Les fuites des informations, on savait que c'est entre Tata Doudou et Marie-Louise Mbarga parce que tout ce qu'on parlait dans le groupe, il y avait toujours fuite. Jusqu'à ce que. Vous voyez, Chauve-souris Mbarga, on l'avait chassé. Pourquoi? Marie-Louise Mbarga. Jusqu'à ça lui a valu le titre, le nom de Chauve-souris. Hein? On a enlevé Marie-Louise, on a mis que Chauve-souris Mbarga. Jusqu'à aujourd'hui. Le nom là est calé. La mère est restée avec le nom là. Quand elle vous dit que Facebook est dangereux, Chauve-souris Mbarga, elle peut tuer quelqu'un à cause du nom là. Diane Bassa, ok. Que papa appelle mon nom. Bonsoir, comment tu vas? Chauve-souris Mbarga.
Marie-Louise, je t'appelle. Je sais que tu détestes autant compresseur que moi. Tu sais sur quoi je me base pour dire ça. À l'époque où toi et moi, on combattait dans le même front, on avait la même ténacité. Je n'ai jamais pu pardonner Ngossa. Donc, je veux que tu viennes m'aider à finir cette guerre-là. Mettez la baie, je suis mal placé. Viens. Marie-Louise Mbarga arrive. Elle viendra. Cette bataille va durer. Compresseur, tu as cherché. Je vais te persécuter jusqu'à Thierry va te chasser. Tu es revenu dans les clashs, non? Hey, Lukaku a marqué. Ah, c'est quoi ça que tu me fais comme ça, Lukaku? Poto. Ouais, je croyais que Lukaku a mis un petit but là-bas. Je supporte la Belgique, c'est mon pays, non? Au pays qui m'a respecté. Ils m'ont mis ici là comme ça. Si ce n'est pas que je passais par le pays là, je ne peux jamais trouver mon père ici. Oui, c'était Marie-Louise Mbarga. Claude Akam, s'il te plaît, transmets mon message à Marie-Louise Mbarga. Je veux partir avec sa plainte auprès de Flore. Il faut que Flore récupère sa vraie équipe. Je vais revenir avec Marie-Louise Mbarga. Si on a pu pardonner Compressor, on pardonnera à Marie-Louise Mbarga. Elle a bataillé, elle a mouillé le maillot. La mère là, la coute mère là. Valérie Amougou, poil de carotte. Et c'était que avant, dans le groupe d'ennemis de Flore là, nous tous on avait, chacun avait sa cible. Je m'étais dévoué sur ma gazon. Marie-Louise Mbarga dit que si ce n'est que le côté de Valérie Amougou là, je gère, rien ne fait. On a laissé Flore elle-même affronter la Dunguru de Compressor. C'était grave. Je dis que c'était grave sur Facebook. Il y a les gens qui ont perdu leur travail la période là parce qu'ils voulaient suivre le Congo, ça. C'était que ton heure, c'est mon heure. Ça veut dire que si tu dis 13 heures, hein, l'autre, la réponse, c'est à 14 heures. One hour, one hour. Et il y avait la discipline. Hein. Chacun attendait la réponse. Poil de carotte. Voilà Linda Monnery. On avait les groupes. Hein, les Mireille Ebutu. Les filles, il y avait beaucoup les filles des États-Unis et le Canada. Une personne a vendu toutes les filles là pendant un matin comme ça, maman, les identités ont commencé. C'est ça qui avait d'abord fait que ça explose. On a commencé à s'accuser entre nous. Mais la personne qui avait fait le jeu l'avait bien fait. On dit que c'est entre Tata Doudou et Marie-Louise Mbarga. On dit que c'est entre les deux. Mais la ténacité que Marie-Louise Mbarga avait à l'époque là, je ne pense pas que Marie-Louise Mbarga était un élément. Hein. La main là est courte comme ça. Elle a déjà duré en beigne. Quand il s'agit de finir avec quelqu'un, elle me dit que Nivakine, Macaruna, Biazini Bois. Je dis que qui est Marie-Louise? Elle dit, à l'heure si je suis avec Flore. Marie-Louise Mbarga. Marie-Louise Mbarga, Claude Akam et moi, on s'acharnait sur Magazon. On faisait ça à Tata Aline, Magazon. Tata Aline n'était pas clasho. Mais si tu veux aussi qu'on recommence, il n'y a pas de problème. Moi, je parle de ce qui s'était passé avant. Ne viens pas là que tu vas venir m'attaquer. Laisse-moi. Pas à Bomono. Je t'ai supporté pour que tu partes là-bas à Bomono. Oui, au moins tu seras bien là-bas. Tu peux même nous inviter aussi. Et la paix que Tata Aline avait fait avec Flore à l'aéroport, c'est parce que Tata Aline ne voulait pas que Flore la tape. Hein? Jésus. Parce que le jour-là, Tata Aline a vu que ce n'est pas bien. Si on laisse le problème, si Flore peut l'humilier, elle va lancer le direct. Elle ne peut pas. Ce n'est pas une femme qui est bête, elle le sache. Elle a une fois dit, viens ma fille, viens m'embrasser la paix. Vous avez vu quelques mois après, non? Qu'elle est remontée sur Flo, elle était déjà maintenant loin du danger. Mais si psychologiquement, elles vont encore se voir, elles vont encore faire la paix. C'est la meilleure des manières pour éviter la chicotte.
Mais je préfère encore quelqu'un qui te montre qu'il te déteste, qui n'aime pas ton affaire. Comme un gazon, elle est claire, elle est sceptique dans ces choses. Elle dit qu'elle ne veut pas les choses des bordels. Mais par moment, ma garçon, dans ses directs, elle oublie le téléphone, parle un peu fort sur le client qui appelle. Les mecs qui ont tous deux téléphones, là, si vous voyez une mère ici en Europe, elle a deux téléphones, c'est une bordel. L'autre téléphone, c'est pour le allô, allô. L'autre téléphone, c'est pour ses appels normaux, là où elle parle avec ses enfants, sa famille, c'est les bordels. Elles ont tous deux téléphones. Quand tu vas dire qu'elle te manque, c'est pour appeler l'Afrique. De nos jours, on charge encore les cartes pour parler avec les gens en Afrique. C'est quand il n'y avait pas toutes ces applications qui nous faisaient être très proches ici, là, qu'on utilisait. Oh, j'ai mon téléphone là que je mets l'ICA pour appeler en Afrique. Vous êtes les bordels, c'est le téléphone rouge, c'est pour le travail. Dites la vérité à vos fans. Vous êtes vous tous là, la majorité, vous bordez. Vous êtes en train de venir taper sur les autres. Pourtant, vous-même, vous faites la même chose. Même elle est botte. Un client avait appelé une fois dans son direct, il a parlé qu'il veut sucer les seins. Linda Monnerie dit que sa cible avant c'était Doudou Custo. Bon, je vais vous laisser. Linda Monnerie, je pense que je me rappelle de toi. Une très belle fille. Boulou. Je sais si. Bon, on va recommencer. Parce qu'il faut pour mieux construire l'empire. Que j'appelle ma mère sur les réseaux sociaux, que ça plaise à sa, que ça plaise à sa communauté, dont j'étais le général avant, ils disent maintenant que je ne suis plus, que ça plaise ou non, je dois casser la maison de ma mère pour mieux la reconstruire. Compresson ne peut pas rester dans les environs. On va remonter la PDGiste. Vous ne trouvez pas que la Starmania de Flore ne baisse pas? Il y a les filles qui sont venues trouver Flore sur Facebook. Quand on regarde le nombre d'abonnés sur les pages, ça ne suit pas. Nous, on a seulement fait les choses là comme ça. Même moi-même qui parle, si on devait être loin. C'est que nous, on sortait seulement pour Flore. On n'a pas structuré toutes ces choses que, oh, un de mes Yangon Mouraz me veut contrat. On était sous tutelle de Flore. Personne de nous n'acceptait un truc. Il fallait que vous passiez par Flore. Vous appelez quoi loyauté? Les gens qui sont venus soutenir Flore, que quand Flore part avec eux quelque part, si on donne l'enveloppe à Flore, elle commence à se fâcher. C'est ça qui amène les guéguerres. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Crée-toi tes contacts. Ne mange pas les contacts derrière Flore. Non, c'est Flore qui devait taper Tata Aline. Vous me faites du rire. Là, je ne mens pas. Hein. L'âge de la femme, ça ne manque pas. Il y a un certain âge, la force diminue. On ne peut pas me dire qu'une vieille mère va taper une jeune fille. Faites très attention avec ce qui sort de vos bouches. Moi-même, actuellement, j'ai besoin de la perruque. Compresson, on ne met même pas les belles perruques. C'est que j'ai arraché une perruque sur la tête, était cible quelque part, elle passe, j'arrache ça avant. Eh bien, je lave, je porte et fais le direct avec tous les jours. Oui. Moi, il n'y a pas moi de problème. Tout le monde qui me connaît, ceux qui ont fait l'aventure avec moi, savent que j'ai d'abord le cœur de l'aventure. Partout là où j'ai habité, si j'avais seulement un espace comme ça, qu'ils voient que ça, on peut dormir là même à 100 et être à l'abri du froid ou du soleil. Je porte, j'amène. On dort là, nous tous. Jusqu'à ce que ceux qui veulent venir transformer, prendre mon endroit, que moi-même, on me chasse et rester là. Qu'est-ce qu'il n'est pas vu en aventure? Compris ça, on négocie tes contrats. Recrée-toi une communauté si tu es une femme. Une communauté qui n'a rien à voir avec les clashs. Une communauté, toi-même tu vendais l'indien sans, toutes ces choses-là sont parties. Je ne peux jamais pardonner Compressor parce que c'est une femme qui est assez méchante. Moi, je ne peux jamais pardonner Compressor. Que le Seigneur m'excuse. Que le Seigneur m'excuse ou qu'on peut ça, je ne peux jamais te pardonner. Toi aussi, ne me pardonne jamais. Aïe, maman, j'aime trop laver mes mains. C'est le froid.
J'attrape trop vite froid. Comme je suis en train de fumer, j'ouvre, non. À 17h, à 18h30, là, je marine mon rôti de porc, je mets au four. J'épluche mes petites pommes, je mets tout ça dedans. Je prends quelques petites tomates, je mets là. Je mets 30 minutes, je m'assois et mets Netflix. Hein. Après, elle va entendre la porte qui sonne. C'est le bébé, la bébé. Je sais, on mange nous deux. Tu me dis de glisser encore le. Non, je veux mourir ici. Papa, je suis là. Je suis là au AD. Je suis là. Laissez-moi tranquille. Ne m'aimez plus. Ceux qui ont dit qu'ils les aient déçus parce que je dis la vérité à compresseur, ne m'aimez plus. Prenez l'amour que vous avez pour moi là avant. Allez avec. Vous n'allez pas me voir venir vous dire de me remettre l'amour là. Partez avec. C'est vous dire les gens qui m'aimaient ici dehors. J'avais mon show là. C'était un Américain, Claude Simard, paix à son âme, multimilliardaire. Il m'a envoyé 800 dollars tous les jeudis. J'étais au Maroc. N'est-ce pas? Il m'aimait avant. Il est parti. Il est même plus sur la terre. Si moi, il continue de vivre. Donc, hein, vous pouvez même décider de me détester et mourir même avec votre amour. Ma vie ne change pas. Ça ne change pas. Non, il y a le dessert. Alors, moi, je ne mange pas les choses là. C'est lui qui a ses desserts. Quand il mangeait mon Togo au Cameroun, on me donnait le dessert. Non. Je peux peut-être boire même un petit yaourt, mais ce n'est même pas tout le temps. C'est lui qui a ses fruits, ses pâtisseries, ses trucs. Elle s'est placée virtuellement pour demander les excuses. Hein? Je ne peux pas m'aimer avec compresseur dans la vie, si. Jamais. Puis on ne peut jamais s'aimer. Les abeilles là qui savent que je suis encore le général, écrivez ça ici en bas, que moi je suis avec vous, votre général. Parce que Flore même, je suis avec Flore. C'est la patronne. Donc si vous aimez Flore, vous allez aussi m'aimer. Voilà. Écrivez ça ici là que c'est moi qui est votre général. Si vous voulez, vous prenez l'abbé ça, mais vous le nommez que général, je m'en fous. Tentez de me donner ma place de général à quelqu'un. Vous allez voir si je vais rester au chômage ici sur Facebook. Et tentez, non. Donnez ma place. Je veux partir. Peut-être là-bas même, je serai même pas. Je serai premier ministre. Voilà, Inès est sauf. Je suis là. Donc, je suis encore général chez les pédéistes. C'est la majorité qui gagne. Et tous les gens qui ont mis les cœurs et les pouces bleus, je suis avec vous. Tout le monde là, je suis là. Jaguar, ça c'est vrai. Toi, tu es dans le généralisme depuis. Je vous connais. La douce a dit que je suis le général des abeilles. Je vais faire les captures d'écran après. Les abeilles qui font les captures d'écran, là, moi aussi, je vais vous choquer avec ça. Voilà. Maintenant, quand vous allez amener votre général, l'abbé Samé, on va lui faire le coup d'État, il partira. Comme je vous connais, c'est encore vous-même qui allez l'insulter ici. Je vous connais, non? Si après tout le nombre de services, là, vous arrivez quand même à trouver un petit courage pour m'insulter. Les mères, là, sont les sorcières. Elles m'insultent. Elles ne regardent même pas que c'est moi. Hein? Au lieu de faire le petit hypocrisie, là, que non, on ne parle rien dedans. Donc, vous minimisez alors Mini-Minor. Quand j'avais des problèmes avec Mini-Minor, pourquoi vous avez ignoré? Pourquoi vous ne pouvez pas fermer vos bouches dans la guerre si? Vous venez montrer que oh, vous aimez trop compresseur. Ils me font les petits posts. Ils m'identifient. Pourquoi quand elle faisait mes problèmes avec Mini-Minor, pourquoi vous n'avez pas ignoré? Vous voyez alors, je sous-entends que vous n'êtes même pas les vraies abeilles. Parce que les vraies abeilles. Tout le monde regardait mon problème. La tante des abeilles Soulange m'a montré son cœur. Elle m'a envoyé les messages et supprime. Pourtant, ils ne savent pas que j'ai l'application. Que même si tu supprimes le message, je vais le recevoir. Je vais lire. Ça te dit que c'est supprimé, mais j'ai reçu le message. Elle m'a envoyé les messages et supprime. Dieu est au ciel, il vous voit. Après, l'autre dit que, oh, c'est parce que on n'a pas cotisé pour le général pour son anniversaire. L'année passée, vous m'avez fait un cadeau.
Hein? L'année passée, vous m'avez cotisé. Ah, voilà mes gens ici, là. Je suis le général Pian. Si vous ne voulez pas vous laisser, eux aussi m'ont choisi. Comme vous avez choisi votre compresseur, vous venez choisir une femme qui nous tapait, elle nous tirait avec les vraies armes. Parce qu'elle s'est mise sur Internet, elle a dit que, oh pardon, dès qu'elle parle un peu, vous me crucifiez à cause de King Grenga. L'histoire là m'a touché au cœur. Je ne peux pas pardonner tous ceux qui m'ont insulté là. Péril le lion, moi, était laissé. Tu n'as toi rien dit. Moi, j'aime les gens comme ça. Tu es même un homme ou bien tu es une femme. Tu me plais, j'aime ton habitude là. Que ça te plaise ou pas, je suis ton général. C'est Flo qui m'avait dit ça. Je suis comme ça. Voilà. Elle-même, elle a dit ça ici. Vous discutez, je ne vais pas prendre le direct où Flo m'a dit que je suis général. J'amène ça ici là. Maintenant, vous-même, vous regardez. Vous voyez qui vous devez respecter. Allez prendre l'abbé Samo Maro, cotisez pour lui, Boza, il vient vous faire représenter, non? Ah, voilà, social renaissance. Merci, dans le cœur. Tu es une personne, j'aime beaucoup ta manière de raisonner. Est-ce que quand tu me parles souvent quelque chose dans la tranquillité, en paix, est-ce que tu m'as déjà vu me révolter? J'ai commencé à parler ma chose. Les gens ont transformé que ce n'est pas Flo, que ce n'est pas compresseur qui veut parler, que c'est à Flo que je veux parler. Comme ils lisent les lettres dans les enveloppes, entre-temps, c'est parce que je n'ai pas envie que. Si je fais écouter certaines choses, les gens vont penser que peut-être Flore m'envoie ou bien je joue un quelconque que je. Non, je ne suis pas une personne qui est bête. Je préfère même ne pas être en contact avec Flore quand j'éclate ma guerre pour qu'elle soit à l'écart de ça. C'est son ami. Moi, elle n'est pas dire, mais je ramène seulement la genèse. Et personne ne peut m'interdire le droit de ramener la genèse. Comme j'ai parlé la genèse, ça m'a valu le titre que tribaliste, que hypocrite. Je vais rester le général ici, aujourd'hui, demain et après-demain. Et je vais rester avec Flore. Flore ne m'a pas encore bloqué sur WhatsApp. Je voulais aussi vous dire ça. Je vais l'appeler quand je veux et comme je veux. Et elle va me répondre. Ce n'est pas que si elle appelle aujourd'hui, je vais me fâcher. Flore ne décroche d'abord pas le téléphone constamment, pas tout le temps. D'accord? Ce n'est pas tout le temps. Donc, je peux appeler Flore là même maintenant. Elle me répond même la semaine prochaine. Je ne vais jamais me fâcher. Oh, celle-là de Flore, on l'appelle. Non, Flore ne cause pas. Même avec moi qui parle au téléphone, là, elle ne fait pas le téléphone. Elle ne fait pas le Congo ça au téléphone. Elle ne fait pas comme ça. Et si moi-même, si je parlais des gens avec Flore, la manière dont les gens calculent qu'ils veulent seulement m'exposer comme ça, c'est qu'on a déjà amené une capture d'écran. Ou bien un voice quelque part où je suis en train de saquer. Je sais ça. Quand je cause avec Lolo, Lolo connaît mon coach. Que non, ma personne. Je dis tout que non. Si vous ne pouvez pas faire la paix, laisse ne parle pas sa chose. Lolo, si je m'en viens témoigner. Flore même ne parle même pas souvent de Lolo. C'est moi. Quand elle parle même, je dis à Flore que, ouais, Flore me dit que non, Yam n'a pas de problème avec moi. Voilà. C'est Lolo qui est Yam. Voilà. C'est Lolo qui est la vraie Yam en question même. Yam sœur. Compresseur va faire l'amitié avec Yvette Ngomati. Va être copine avec Ngomati. Oui. Comme tu aimes les choses du village, Ngomati, va chez Ngomati. Laisse les deux Yam là. Yam sœur. C'est eux qui sont les Yam sœurs. Yam là, Yam Tchossi, c'est le Yam sœur. Entre eux, le Yam seyage. Ne viens pas dedans. Lolo aboie, elle ne mord pas. Oui. Compresseur, quand elle dit quelque chose, c'est une femme qui va jusqu'au bout de ses paroles. Quand elle dit, elle fait. Elle appuie sur la gâchette, elle va à bout. Lolo va crier, 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 crier. Par moment, elle éclate, elle rit. Donc, je préfère encore quelqu'un comme ça. Et Lolo et Flore, à mon mariage, seront assises. Non, Flore est sur la table d'honneur, c'est ma marraine. Mais je vais mettre la tête de Théo là à côté.
Et de temps en temps, elles vont causer. Vous allez les voir dans ma sauce. Vous les verrez. Voilà. Vous allez les voir, mes boyens. On ne vous parle pas. On ne vous dit plus juste le moment. On ne vous parle plus. Quand ça sera, vous saurez ça. Quand c'est à 3 jours près. Pour le moment, les concernés, entre-temps, sont en train, je suis en train de les informer au fur et à mesure. Pour vous montrer que j'ai 4 yeux. Quand vous vous préparez, que vous allez me faire quelque chose, je change le programme. Tata Aline, même, Aka, Tata Aline, elle aime seulement revendiquer son intelligence. Tata Aline pense que l'intelligence, c'est encore comme à l'époque, en 80. Elle ne sait pas que l'intelligence est beaucoup plus complexe que. Il y a les gens qui ne se sont jamais assis à l'école pour aller à l'école. Ils savent lire, ils savent écrire, ils peuvent détourner une banque. Donc, c'est seulement qu'on peut sortir que je ne sais pas ce qui se passe. Ou bien ils ont juré dans son cerveau là-haut. Avec tous les hommes, des gens qu'elle arrache ici dehors. Mireille Tep, s'il te plaît, tu n'es pas là. Tu respectes mes amis. Je vous ai dit ça ici. Je ne vous interdis pas de détester les gens. S'il vous plaît, respectez mes amis. Tu ne parles pas. Tu parles pas comme ça. Si tu veux parler comme ça, tu prends ton téléphone, tu allumes ta caméra, tu parles. Quand Flo fait le direct, je ne parle pas souvent, lui dit que je n'aime pas Compressor. Je suis venu dans ma plateforme parce que je ne veux pas qu'elle soit mêlée dans tout ça. Elle n'a rien à voir avec ça. Fais pareil comme moi. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, qu'on respecte les gens. On ne les mêle pas à nos guéguerres. Natacha aussi. J'ai parlé à Natacha dans le direct le matin. Je vais encore demander à Natacha que ma soeur, si tu veux que toi et moi on soit dans la paix, bien. Tu as déjà rencontré Flore, jamais de la vie. Tu la connais, donc tu ne la connais pas. Donc, Natacha, je sais que ce n'est pas une fille problématique. Même les clashs, même quand elle insulte, même ça se voit qu'elle ne connaît même pas bien. Voilà. Quand elle insulte, ça ne tient pas. Elle ne connaît pas, ce n'est pas son monde. Donnant à César ce qui appartient à César. Je veux parler à Natacha que ma jeune soeur laisse. Moi, je te conseillerais plutôt même d'approcher ces gens, cette femme. C'est une femme qui a la main sur le cœur. Attendez, je vais chercher le mari à Flore. Vous n'allez plus voir Flore. Attendez. Je vais chercher un nouveau père blanc à Flore. Un Luxo ou bien quelqu'un des frontières, s'il est à le côté de la France. Je vais le chercher, les pays qui travaillent, les Franco, les Français qui travaillent ici, là, qui ont les grosses maisons là comme ça. Elle va partir là-bas. Avec maman Anna. Et vous n'allez pas venir parce que je serai derrière à côté ici. Tout le temps, je serai là-bas. Je vous vois, je vous chasse. Pour le moment, là, profitez encore. Tu me dis qu'elle fume beaucoup, c'est toi qui m'as acheté le bangala. Quand elle veut t'insulter, tu vas dire que je suis un polymouf. Bordel. Tout comme ça que vous cherchez qu'on vous insulte, même quand les gens sont gentils. Petit bordel. C'est toi qui m'as donné le bangala. Ou bien c'est ton poumon. Quand elle veut te dire que prête-moi pour toi, ma paille abîmée, dis que non. Sorcière. Allez dire à Compressor qu'elle ment beaucoup, elle mendie beaucoup. Pourquoi vous n'écrivez pas ça là-bas? Ce sont les choses qui ne sont pas bien dans la société. On n'achète pas le mensonge, mais le banga coûte cher. Ça coûte de l'argent ici en Europe. Hein. C'est un budget. Je suis là comme ça et fume et m'amuse avec le salaire d'un chef d'entreprise en Afrique quelque part là. Attendez un peu de respect pour le banga. Bon, bye bye. Hein. Je sais pas. Demain, mon grand-père va fêter ses 20 ans. Ça fait 20 ans que mon grand-père est mort. Demain, le 2 décembre. Je peux un peu regarder le Congo ça dans le groupe WhatsApp de la famille. Bonsoir, Mireille. Je peux regarder le Congo ça WhatsApp, non. Après, je vais téléphoner Flore. Flore va m'acheter les lunettes Gucci. Flore va m'acheter. Non, je n'ai pas encore rendu visite à maman Anna. Flo va m'acheter les lunettes Gucci pour mon cadeau d'anniversaire et je vais porter ça dans mes. Attendez, je vous montre mes autres lunettes que un fan m'a acheté dans la Starmania. J'aime ça beaucoup.
Le match Croatie-Belgique, c'est serré. Hein? Tu ressembles à Jason Derulo là, non? Ouais, le sorcier de mon village. Très joli. Si c'est joli, mettez-moi un peu les cœurs, non? J'enlève. Vous n'aimez pas. C'est joli, moi je trouve. Même si vous dites que vous n'aimez pas, moi j'aime. C'est ça que c'est les lunettes que je porte quand l'une de mes copines hypocrite meurt. Je porte ça, elle met un gros jarabia noir là. Même si elle ne pleure pas, elle fait seulement le nez comme ça. On ne voit pas mes yeux, non. Est-ce qu'ils savent si elle pleure? Alors, vrai, vrai, j'ai fait. Et de temps en temps, je suis devant les photos. Je suis devant le photographe. Pour qu'on me voie bien. Il y a un photographe là en Belgique, on l'appelle Eric Photomama. Le gars là, aime les détails, comme il aime un peu le Congo, ça aussi là. Donc, quand il aime les choses comme ça pour alimenter un peu sa part, tu sais que les Noirs aiment, ils vont, quand il y a une soirée en Belgique, je vous explique, ils font que, dès qu'ils l'ont vu là-bas, les mamies Congo, ça de la Belgique, c'est dans la page là qu'elles regardent qui est sorti le week-end, qui n'est pas sorti. À l'heure là, comme je sais que les sorciers de mon village et mes ennemis sont dans le groupe là, quand ils me filment, ils font comme ça. Coucou! Ces parents, faites-moi quelques photos là, vous allez m'envoyer ça demain. Quelqu'un dit qu'il ressemble à Hoshiga. Vais te bloquer. Je te bloque et te bannis. Je vais bannir la personne. Elle est OK à dire ça même. Nelly Diana est bannie. Là, tu m'as beaucoup insulté dans le manque de respect. Comment tu peux dire que ça m'a. Tu es une grande sorcière. Elle ne me dit même pas qu'elle ressemble à 15 Blumen. Elle dit que Oshiga. Ok, Oshiga, c'est ma soeur camerounaise. Ça, c'est une camerounaise qui veut activer les problèmes entre Oshiga et moi. Est-ce qu'elle peut insulter Oshiga là? Après, Oshiga fait écouter ça. Oshiga va monter sur moi comme la main. Cette fille-là aime aussi les problèmes. Elle va me prendre aussi mon dossier comme ça. Aussi qu'elle n'était pas insultée. C'est quelqu'un qui est. Faites la capture des grands commentaires là. C'est quelqu'un qui est venu commenter qu'il ressemble au Shiga. Pardon, il ne ressemble pas moi au Shiga, s'il vous plaît. Je ressemble à mon père. Je ressemble à mon père. C'est parce que vous avez le manque de respect. C'est qu'il devait vous montrer la photo. Bolmini Biandi, on ne vous montre pas. Je ne me dis plus jamais ça. C'est quoi? Je remets mes lunettes. Je ne ressemble pas au Shiga. Au Shiga, c'est une star. Ma copine, l'étoile caribienne, elle a fait l'hypocrisie. Elle m'a parlé comme le proverbe. Koho, Koho, si tu vois, hein, si tu es en train de te doucher. C'est l'étoile cubaine qui m'a insulté comme ça. Vous savez qu'elle dit qu'elle est une intellectuelle, non? Mais elle a oublié que le code là, ce sont les proverbes que ma grand-mère me disait souvent que Goussou Kwaba Kura Wabaga. On a oublié. On dit aucune Abi Waba. On a Kura Kura Wona Kut. Donc elle pensait qu'elle a développé les proverbes trop, ne sachant pas que ma grand-mère m'a appris les Minkana. Ma grand-mère m'a appris la vie. Oui. Je connais parler les choses comme ça. Je connais parler les choses comme ça. Que oh, si vous êtes en train de vous doucher dans la rivière, quelqu'un vient prendre tes habits. Il commence à courir. Toi aussi, tu sors. On voit le fou en train de courir. C'est moi qui est devenu le fou aujourd'hui. Zamba Nayob, Dieu vous voit. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici, là, que. Même les fous, la vérité peut sortir dans leur bouche.
tout le monde que j'ai suspecté ici, là, pour Flore. Si je m'en marie la rose, quel était le cas? La chèvre, si là, elle-même. J'ai parlé que la chèvre, SOS, je vois le danger imminent. Hein? À l'époque, là, certains ont commencé à m'insulter. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que certains abeilles veulent me manquer le respect, c'est depuis. Est-ce que c'est aujourd'hui seulement que ça a commencé? Ils me font souvent les choses comme ça. C'est que c'est juste la continuité de ce qu'ils ont déjà eu à faire que vous voyez là. Jusqu'à me mettre les posters avec Gringa pour m'insulter. Pardon, je vous laisse. Très joli aujourd'hui. Je vais préparer tout le rôti de porc si avec les lunettes là aux yeux. Aïe. Je veux commencer à faire ma télé-réalité, c'est là moi-même dans la maison. Il faut que mon petit frère vienne, il va souvent me filmer. Vous allez confirmer comment est rôti le porc. Je vous laisse ma journée. Et il faut éviter de me rapporter les nouvelles. Parce que vous aussi, je voulais vous dire ça, ça commence à être un peu fatigant. Vous me faites, je ne me repose pas bien. J'aime le Congo, ça, j'ai envie de suivre. Je veux suivre, Maïn Maton. Ce n'est pas bon. Quand mes copines PD vont me voir comment elle était jolie aujourd'hui dans le direct, si ce soir comme ça, c'est ce qu'elles vont faire. Ha. Celui qu'on appelle l'abbé Samin, avec ses lunettes qu'il porte souvent là comme la lubellule. Avec les lunettes là qu'il porte souvent, il est là comme la lubellule. Son dansant qui est flou là. Même le filtre n'arrive pas à le faire briller. Elle dit que ouais, elle ne peut pas avec nous. J'avais mangé le congrégé avec un bon chien. Moi, je n'ai pas le chien. Attends quand Facebook va te bloquer. Tu ne sais pas que c'est les choses des watts. On ne mange pas, le watt ne mange pas ça. Tu crois que c'est à moi que tu fais. Moi et les chats, ça sera encore plus tendre, si tu veux. En parlant même de chats, là, il faut y aller. Non, ils vont manger à 18h30. Ne leur donne pas la nourriture. Il ne veut pas qu'ils soient gros. Leur père est mince. Il ne veut pas les gros chats ici, là. Il suscite l'attention d'un doc. Quand le chat commence à voir un peu les cuisses d'odieux, un genre là. Les gars qui mangent. Même ici en Bénin, ils sont là. Hein. J'ai mon pote là. Chaque fois qu'il quête mon chat là, comment le chat là est d'odieux là. Je vois, il salive un peu. Je dis que le jour tu vas essayer, le père, il va te piquer le couteau dans la maison aussi. Il a connu ce chat là avant moi. Il peut même me barrer à cause de ça là. Comme tu es en train de t'amuser là. Faites-moi une petite photo là, je vais draguer les filles américaines avec. Viens ici pour calculer mon chat. Il marche avec le masque et le jom dans le sac. Je vais tous vous dénoncer. Vous allez arrêter de manger les chats. Il y a les noirs que quand ils arrivent à un quartier, dans un quartier, tous les petits chats errants du quartier là, vous n'allez plus les voir. Vous les cherchez, les gars reposent en paix dans le ventre des terroristes là. Mangez le chat. Avec les ailes de poulet qui sont moins chères à Lidl, c'est là. Je ne sais pas ce que vous calculez sur le chat. La Finlande est trop bizarre. Tu es dans les vrais pays. En plus, les Finlandais, c'est des hommes virils. Cherche-toi un homme là-bas, vous vous accoutez, non, ma soeur. Ou bien tu es... un bon vin. So, I have to leave you guys. Because I have something to do. I have always... on dit ça comment? Hey, maman, maman, il me saïe ça, maman, ne m'a quoi anglais. Adi Makke, je sais pas, je ne connais pas, je ne vis pas aux États-Unis. Allez dire à ceux qui vivent là-bas de parler l'anglais. Depuis là, je les regarde, ils ne parlent pas l'anglais. Ils veulent tout baptiser en français comme s'ils habitent en France.
Vous habitez en Angleterre, vous habitez aux États-Unis. You guys have to speak English. J'ai besoin que quand ils vous voient en live, vous êtes en train de me speak le British. Mais vous allez le voir. Ils sont aux États-Unis. On parle le français là-bas. Pardon, parler en anglais ne dérangez pas les gens. Moi, je peux attiser parce qu'en fait, moi, j'habite ici en Europe. Il y a parfois, je vais dans les pays néerlandophones. Moi, j'aime beaucoup voyager. Oui, j'aime ça dans la vie. La seule langue qui me reste à parler, c'est la langue de Bé, le luxembourgeois. C'est un peu dur. Pour le moment, là, je n'ai pas le corps à donner dans les choses comme ça. Quand j'aurai envie de faire ça, même vous savez, au moment où on est souvent obligé de faire ça, quand tu dois aller demander la natte là, non. Est-ce qu'elle va alors vouloir ça? Parce que moi, je serai au village au Cameroun, ça va me servir à quoi? Je vois mes copines ici avec les passeports européens. Trois, quatre. Elles ont même les trois nationalités. Pauvres comme les souris de l'église. Elles n'ont rien, même pas rap. Les petites filles qui viennent, comme les compresseurs, comme ça. Hein? Elle en Europe, ça fait plus de 25 ans. C'est les enfants qui ont beau ça, il n'y a pas 2 ans qui dépendent d'idiotes là. Je vais vous laisser les choses comme ça, m'énerve. Bye. Je pars. Non, je reste encore un peu. Je suis fâché. Aïcha Sol, il faut que tu m'invites à Vox Africa. Je vais venir là-bas. Ne pas ta télé toi seul. C'est pour tout le monde. Invite-nous. On n'est pas au Cameroun ici. On n'est pas au Cameroun. Invite-moi là-bas. Je vais venir expliquer ce que le compresseur m'a fait de mal dans la vie. Pardon. S'il te plaît, je veux venir là-bas. Coach Amon Chic, je veux aussi venir là-bas. Je veux aussi aller dans une télé là en Tunisie. Je veux partir partout là-bas. J'ai dit que je. Mais où soit mon nouveau monsieur, je vais expliquer le problème si partout. Oui, je vais aller même en Côte d'Ivoire pour les expliquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Si mes frères ne se lèvent pas, venez me supporter. Ils vont quitter. Maman, voilà mon opérateur en Belgique. Hein? Il m'a envoyé le message qu'on va encore vous gâter cette fin d'année avec les nouvelles séries. Je regarde les films de Noël. Il y a longtemps, je ne crois plus au Père Noël. Je veux quitter dans l'opérateur là. D'abord même, je ne suis même plus là-bas. Je ne sais pas par quoi ça me sert. Je regarde la télé ici. S'il vous plaît, attendez et guette le score si la Belgique a marqué. Ouais, c'est la mi-temps. Je ne sais pas. Alors, si quelqu'un a été regardé, là, il me dit un peu le sort des de Belges. Quand j'étais jeune, j'étais très laid. Je vous dis ça. Très laid. Ok, maman, quand tu fais les choses, c'est comme ça avec les lunettes. Attendez, je suis. Ok. Ouais, la Belgique est éliminée. Tout ça parce que mes copines qui sont en Belgique aiment beaucoup le Congo. Ça, on vient d'éliminer la Belgique là. Quand on vous dit de laisser le Congo, ça, vous ne comprenez pas. Est-ce que moi je suis ivoirien? Les gens qui partent. Franchement, il y a un truc que moi je veux vous dire. Faites vos clashs entre vous. Quand tu t'attaques derrière un gouvernement, papa, tiens-toi seulement loin du gouvernement là. Wallah. Parce que coûte que vaille, wallah, ça va te prendre. C'est comme si on me dit aujourd'hui que. Quand on l'a planté, on l'a invité au Cameroun, il a accepté. Jusqu'on lui a dit qu'il est garanti, on ne va pas l'arrêter. Lui aussi, il croit à ça. Il part. On va vous arrêter. Toujours. C'est vos problèmes entre vous. Vous pouvez vous chamailler les bordels, les paiements entre vous. Quand ça concerne bien un gouvernement, là, hey. Maman, c'est ce qui arrive au père qu'on appelle Peter, là. Ses propres propos. C'est ça encore. Comme il disait qu'il veut le coup d'État.
Maman, Facebook, tu fais souvent, certaines personnes croient qu'ils sont vraiment dans une scène de télé. Et tu finis de dire un truc comme ça, tu portes encore tes pieds, tu pars dans le pays là. Tu pars encore t'asseoir jusqu'à tu dis que les gens viennent dire que oh, on lui a dit que, on lui a garanti. Garanti quoi? Tu es Laurent Gbagbo. Vous avez fini de vous battre pour quelqu'un. Lui, il est rentré lui là-bas. C'est vous qui êtes encore expatrié par tous les réfugiés. Quand vous ne voulez pas comprendre que les histoires de la politique là, politique africaine, c'est trop complexe, maman. Que chacun benguiste cherche son argent, il construit sa maison, il ouvre ses sociétés. Il emploie le nombre de Camerounais qu'il peut employer. Voilà. Te placer sur Facebook, là, après on va encore te voir que tu es déjà ministre au Cameroun. C'est seulement chez les Blancs que tu vois les choses comme ça, non? Nous, les Noirs africains, on est d'abord très rancuniers. Donc, ça veut dire que même si le truc là est déjà fini, il y aura toujours quelqu'un dans le gouvernement là qui va toujours te garder la petite rancune là. Jusqu'au jour où tu vas te faire prendre. Donc, hein, parlons les histoires des bordels et les mendiantes. Limitons-nous là. C'est mieux. Quand un bordel va avoir la conscience qu'elle va aller acheter sa part de maison ou bien ouvrir sa part de ferme au Cameroun, maman, elle a sauvé sa tête. C'est comme ça qu'on vit. Et vous le cuiriez décembre. Certaines personnes là, elles sont aussi que certaines femmes, elles vont voir. Et tu vas voir les anciennes bordelles. Elles se sont lancées dans la politique que n'a pas galant. Avant, elles partaient leurs choses au Cameroun bien. Mais à cause de ça, elles sont devenues aigries. Vous allez changer quoi que les gens n'ont pas changé depuis des lustres. Que chaque bordel construise sa maison. C'est tout. Elle ouvre ses sociétés. Chaque bordel essaye d'enlever sa famille, ceux qui sont encore sous le seuil de la pauvreté. C'est tout. Tu sélectionnes même 10 bordels, tu prends un village, tu achètes tout. Maintenant, tu vends le terrain au bordel. Vous mettez votre gougron là-bas, si c'est le gougron qui est votre problème. N'est-ce pas? Tu as ton gougron, tu creuses ton puits, tu mets tes panneaux solaires. Est-ce que tu seras même obligé d'aller affronter les gens à Enéo? Tu n'es même pas en contact avec, à part l'air, l'atmosphère que vous partagez dans le pays et les institutions. Vous ne partagez rien. Mais vous aimez tout entendre que vous êtes les robots. Oh, 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 je vais changer. Vous tapez les mains sur la poitrine. Quand ça cuit sur vous, que n'a mangez alors vous dépasse. Vous avez posé au feu, quand c'est cuit, il faut manger. C'est comme ça. La règle de la cuisson. Tu n'allumes pas le, tu ne mets pas le poulet au feu. Ça ne va jamais cuire. Tu ne prends pas le poulet, tu mets au feu. Ça va rester au congélateur là-bas, bien congelé. C'est comme ça. Je cherche mon argent, je me débrouille au pays. Quand j'ai fini de me débrouiller là-bas, quand si ça m'énerve, ne m'énerve jamais moi, je ne pars même pas moi voter. Même. Parce que la loi du talion, c'est que chacun sauve sa tête. Et le peu de personnes de son entourage que il peut partager son bonheur avec eux. Pas globalement. Vous êtes champion pour parler. C'est facile d'être dans la mangeoire, on ne mange pas. C'est facile ici dehors que quelqu'un est dans la mangeoire. Même s'il était sain, comment il ne puise même pas une cuillère de riz verse d'abord dans la bouche. Non, ce n'est pas facile. Donc, tant que quelqu'un n'a pas la chance, là, qui laisse? Les vrais gens qui revendiquent les choses partent souvent beaucoup au pays, partent mourir pour leur patrie là-bas. Vous combattez les gens qui sont à 6 000 km. Les qui sont les fous à la fin, ce n'est pas vous.